Les textes sont ceux du jour, et d'abord dans le Lévitique, au chapitre 19, les versets 1 et 2, 17-18. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. » N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Et dans l'évangile de Matthieu, au cœur du sermon sur la montagne, au chapitre 5, du verset 38 au verset 48, voici l'enseignement de Jésus. « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose et ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je vous invite à chanter le cantique 343, « Seigneur, accorde-moi d'aimer » et nous chantons les trois strophes. Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, c'est avec crainte et tremblement que l'on se saisit de tels textes, de tels enseignements. Car il est question de vengeance, il est question de justice, il est question d'amour, il est question de haine. Ce sont donc des questions de vie ou de mort, que ce soit au niveau de nos relations personnelles ou à plus grande échelle dans la vie des peuples et des États. Qu'en est-il de la loi du talion? Qu'en est-il de la joue gauche ou de la non-violence? Qu'en est-il de l'amour de l'ennemi? Sommes-nous dans le cadre d'une éthique raisonnable, applicable sur le long terme, ou sommes-nous dans une projection idéaliste où nous rêverions une imitation de Jésus-Christ partageant la sainteté ou la perfection de Dieu notre Père? Mais revenons au texte. Qu'a voulu dire Jésus, ou qu'a-t-il pu vouloir dire dans cet enseignement du sermon sur la montagne? Est-ce si évident, après tout? Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une lecture un peu suivie, à partager des questions qui, évidemment, resteront sans réponse, je vous rassure. Œil pour œil, dent pour dent. Vous savez que, très souvent, on caricature l'Ancien Testament quand on ne l'aime pas, quand on n'aime pas la complexité de ses textes, en parlant justement de cet esprit de vengeance et de cet esprit archaïque de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, en réfléchissant un petit peu, je voudrais quand même partager avec vous quelques remarques sur la vengeance. Rassurez-vous, je ne suis pas une violente. Mais quand même, quand on réfléchit, on réalise très facilement que la vengeance ne se contente pas, en général, d'un œil pour un œil, ou d'une dent pour une dent, et même rarement d'une vie pour une vie, si on regarde un petit peu l'histoire. L'esprit de vengeance est une idole qui s'empare du cœur de l'homme et le soumet à un culte sanglant. On connaît ces histoires de haine familiale dans les tragédies antiques, de ces haines tribales, de ces haines transgénérationnelle où la vendetta est la règle et où le code d'honneur veut justement qu'on tue, où le code d'honneur remplace l'éthique de l'amour et les meurtres s'enchaînent. Vous avez peut-être lu, alors peut-être pas quand c'est sorti en 1972, c'est un petit peu ancien, mais c'est quand même un classique, ce fameux livre de René Girard, « La violence et le sacré ». Et je ne l'ai pas relu pour aujourd'hui, mais je me suis souvenue, parce que des choses m'avaient marqué dans ce livre, comment il expliquait la manière dont les sociétés dites primitives avaient réussi à se prémunir contre le cercle vicieux et mortel de la vengeance par le rite du bouc émissaire. Et il expliquait que, donc, en prenant sur lui la colère des offensés, le bouc émissaire permettait de sauver la société en place. Il permettait au groupe de retrouver sa cohésion et sa concorde. Mais cette pratique du bouc émissaire n'avait pas, et on pourrait dire n'a pas, parce que cette pratique du bouc émissaire, elle se glisse toujours dans les méandres de nos sociétés, elle n'avait pas et elle n'a pas pour objectif la justice et la vérité. Et Girard faisait remarquer que souvent, la victime sacrifiée pour apaiser le besoin de vengeance n'était pas le coupable lui-même, mais une victime sacrificielle. Alors pourquoi je parle de cela? C'est pour opposer peut-être à cette
à cette règle du bouc émissaire, la loi du talion. La loi du talion, elle, vise aussi, bien sûr, l'arrêt de la violence, mais elle vise aussi la justice. D'abord, elle oppose la mesure à la démesure. Pas plus d'un œil pour un œil. Pas plus d'une dent pour une dent. Pas plus d'une vie pour une vie. Elle introduit donc l'idée de punition, l'idée de rétribution. Je sais, là, comme vous ne pouvez pas parler, vous ne dites rien, mais vous trouvez que c'est bien barbare tout cela. Attendons un petit peu. On trouvait déjà dans la Genèse d'ailleurs, et dans le code d'Amourabi avant, cet œil pour œil, dent pour dent, ou dans la Genèse, celui qui verse le sang par l'homme, son sang sera versé. Ça veut dire aussi que la loi du talion introduit quelque chose d'autre, c'est le principe de la responsabilité personnelle. Et c'est ce qu'on trouve aussi chez le prophète Ézéchiel au chapitre 20. C'est la personne coupable qui doit mourir, les enfants n'auront pas à payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants. L'homme de bien sera récompensé d'agir avec justice, et le méchant sera puni pour le mal qu'il fait. Ça peut être satisfaisant d'une certaine manière. Mais en même temps, une telle justice ne s'apparente-t-elle pas finalement à une simple violence codifiée, légitimée et à un châtiment stérile? Peut-elle en rester là? Eh bien, très tôt, la tradition juive a proposé une idée de réparation ou de compensation. À savoir, non pas un œil pour un œil, mais la valeur d'un œil pour un œil. Et pour une dent, la valeur d'une dent. Dans la Mishnah, donc issue de la tradition juive, dans les premiers siècles du christianisme, dans la Mishnah, donc, cinq obligations incombent à celui qui blesse son prochain. Il doit réparer le dommage physique, la douleur, les soins médicaux, l'arrêt de travail et le préjudice moral, à savoir la honte ou l'humiliation. Et la valeur exacte de ces dédommagements doit être jugée au cas par cas par un tribunal rabbinique. Et elle se traduit par une compensation financière. Il y a quand même un progrès. La valeur d'un œil pour un œil, la valeur d'une dent pour une dent. Alors bien sûr, vous avez la question que j'ai aussi, et la vie? Eh bien, la vie sort de cette règle parce que la vie ne peut pas être évaluée. Donc c'est une autre manière de faire la justice qui s'applique, mais je ne vais pas entrer dans cette voie aujourd'hui. On peut trouver dans ce principe, si vous voulez, l'exemple d'une justice qui déjà se veut réparatrice, qui déjà se veut restaurative, qui déjà tente de rendre moindre et supportable les effets du mal commis et donc de sauver la relation entre l'agresseur et l'offensé. On peut trouver là un exemple de justice qui peut aider peut-être l'offensé à dépasser son désir ou ce besoin de vengeance. Ce n'est pas parfait, mais quand la justice humaine est-elle parfaite? Il y a toujours, on le sait, de l'irréparable dans le mal subi. Il y a toujours même de l'impardonnable. Il y a aussi, du côté du coupable, les circonstances atténuantes dont il faut prendre compte. Il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, les erreurs judiciaires. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Mais tenter de réparer le mal, tenter de limiter l'injustice, alors ça oui, frères et sœurs, cela relève de la responsabilité humaine. Maintenant, faut-il tendre la joue gauche quand on vous frappe la droite? Alors ça, si, c'est intéressant parce que vous savez que pour œil, dent pour dent, souvent on caricature l'Ancien Testament en parlant d'un Dieu de vengeance. Et souvent, quand on parle de la joue gauche et de la joue droite,
on caricature les chrétiens en disant que ils sont soumis ou qu'ils ont une éthique complètement idéaliste et irréaliste. Enfin, bref. Les chrétiens sont-ils masochistes? Sommes-nous des masos, frères et sœurs? Sommes-nous des masos? Non. Est-ce une image de non-violence radicale? Peut-être, mais je voudrais bien savoir quand même. De quoi est-il question? Alors, c'est vrai, si on essaie de réfléchir un petit peu, contrairement à la perte d'un œil ou d'une dent, le coup d'une gifle ne représente peut-être, ce qui ne peut pas être évalué. Parce que c'est bien, là il est question d'une gifle, hein, il n'est pas question d'une mâchoire fracassée. Il s'agit d'un geste violent de la main, excusez-moi de vous expliquer des choses évidentes, mais c'est important parce qu'on lit un texte qui parle de ça. Il s'agit d'un geste violent de la main qui peut causer une douleur cuisante, mais on va dire sans causer de lésion, ou alors peut-être que ça aurait été dit par le texte. En revanche, le dommage le plus profond de la gifle relève de quoi ? De la honte et de l'humiliation, symbolisée par le sang qui monte à la joue frappée, ou qui s'en retire peut-être après coup, selon les réactions, donnant à celui qui est frappé une pâleur mortelle. Autrement dit, la gifle a quelque chose à voir avec le sang. Celui qui humilie par un coup porté au visage a symboliquement quelque chose en commun avec un meurtrier. De la même manière qu'on parle parfois de regards ou de mots qui tuent. Mais ceci n'est pas quantifiable. Comme n'est pas quantifiable l'effet destructeur des coups portés au visage des enfants quand ils sont petits. On peut constater qu'il y a des effets destructeurs, mais on ne peut pas quantifier la douleur et l'humiliation, tellement tout cela se joue dans les profondeurs de l'être et de la croissance de l'être. On tombe donc sur ce qu'on appelle une aporie, un manque. Il faut trouver une autre solution. Alors, si on reçoit une baffe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a deux solutions, c'est simple. Rendre le coup pour le coup, paf, paf. Et vous savez qu'au XIXe siècle, on a tous lu des romans magnifiques là, du XIXe siècle, où il est question souvent d'honneur et de gentilhomme, mais d'aristocrate, qui se jetaient des gants à la figure ou qui se donnaient des soufflets, et tout cela finissait par se régler dans un duel au coin du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes peut-être, et avait toutes les chances de se terminer par la mort de l'un des duellistes. Tout cela pour dire que le coup pour le coup est toujours plus que le coup pour le coup. Car quand nous sommes frappés, nous tombons sous le joug de la colère. C'est la colère qui vient dicter sa loi. Et qu'a dit Jésus de la colère? Il a dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos ancêtres, à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. » Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseiller supérieur, etc., etc. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui, recevant un coup au visage, laisse exploser sa colère, risque de devenir un meurtrier. Ou tout de moins, risque de se retrouver au tribunal. Eh bien, vous pouvez dire que je suis en train de délirer sur ce texte. Eh bien non, je ne raconte pas des histoires. Je pense que vous, comme moi, vous avez entendu des tas d'histoires ou des gens qui étaient à l'origine victimes de quelque chose, d'une offense, se retrouvaient finalement coupables, ou la personne inculpée, à cause de cette réaction justement de réponse, cette réaction en chaîne. Celui qui, recevant un coup au visage, laisse exploser sa colère, risque de devenir meurtrier.
Alors merci à Jésus de son conseil. Mille fois oui. Mieux vaut tendre l'autre joue. Mieux vaut même se gifler soi-même que d'aller s'empêtrer dans une histoire qui risque de se terminer très mal parce que la violence est un cercle vicieux qui est très gourmand. Nous avons d'autres problématiques qui sont abordées, qui sont intéressantes. L'histoire de la chemise. L'histoire de la chemise. Mais qui va aller faire un procès pour une chemise? Ça peut être très tragique ou très drôle. On imagine Gad Elmaleh faisant un spectacle sur cette histoire de procès pour une chemise. Quelles sont les motivations pour faire un procès pour obtenir une chemise? Alors, j'ai réfléchi un peu, je me dis, si celui qui fait le procès est un homme riche et puissant, ou une femme riche et puissante, nous sommes dans l'équité, et que cette personne veut absolument obtenir votre pauvre vieille chemise, alors en ce cas-là, un conseil, mieux vaut se méfier, car cet homme riche et puissant, ou cette femme riche et puissante, ne s'arrêteront pas là. Ils iront jusqu'à vouloir même votre vie. Qu'on se souvienne de l'histoire de la vigne de Naboth dans l'Ancien Testament, quand le roi Achab, qui a tout, veut justement quoi? La pauvre petite vigne du pauvre Naboth. S'il s'agit d'un homme plus pauvre que vous et qui veut vous faire un procès pour avoir votre chemise, eh bien, frères et sœurs, excusez-moi s'il y a des avocats ici, mais mieux vaut éviter les frais d'avocat que cela coûterait à l'un et à l'autre. Et mieux vaut alors remplir quoi? Le devoir d'assistance préconisé par le prophète Ésaïe vis-à-vis du malheureux, le couvrir. Tu veux ma chemise? Prends ma chemise et prends mon manteau. Dans les deux cas, donnez votre manteau. Vous serez gagnant. Frères et sœurs, je crois que Jésus nous demande non pas d'être sublime, mais d'être humain, d'être simplement humain. Il nous demande d'exercer un peu de sagesse et beaucoup de générosité. Et cette générosité, on l'entend encore dans les trois dernières demandes. Les 1000 pas qu'il faut convertir en 2000 pas, donner, accompagner donc celui qui en a besoin au-delà de ce qu'il demande, donner à celui qui demande qu'on lui donne sans exiger de justification. Prêter à celui qui veut emprunter en choisissant de lui faire confiance. En nous conseillant de la sorte, Jésus nous indique ce qu'est la liberté des enfants de Dieu. Tu veux que je t'accompagne un bout de chemin? Eh bien écoute, je vais prendre mon temps et on va aller plus loin. J'ai le temps d'aller plus loin avec toi. On sait ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre société. Dire, j'ai le temps de faire les 1000 pas supplémentaires. Tu as besoin que je te donne cette chose-là? Au fond, finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Prends-la. Et dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Tu voudrais un prêt. D'accord. Bon, écoute, j'espère que tout va aller bien pour toi, que tu vas bien t'arranger avec cet argent. Mais sache quand même que je ne pourrai pas te prêter davantage. Frères et sœurs, si on réfléchit bien, ces trois demandes sont celles qu'on adresse à Dieu. Que demande-t-on à Dieu? D'être présent dans nos vies, de marcher avec nous à bout de chemin. Nous lui demandons de nous donner notre pain quotidien. Nous lui demandons de nous faire crédit, de nous faire confiance pour l'avenir. Et c'est ce qu'il fait en notre faveur. Alors oui, nous devons essayer, peut-être, d'être parfait, que notre Père est parfait. Cela se traduit par des actions concrètes. Et quand cela se traduit par des actions concrètes, peut-être que ça paraît finalement moins inaccessible. Mais le texte d'aujourd'hui est long et nous devons aborder quand même cette question difficile de l'amour de l'ennemi.
Je répète cet enseignement de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Alors, d'abord, où est-il écrit qu'il faille haïr son ennemi ? S'agit-il d'un devoir de haine vis-à-vis de l'ennemi, de l'adversaire que l'on doit combattre de toute sa force dans le cadre de la guerre ? Mais alors le combattre suffit, il n'y a pas besoin de le haïr. S'agit-il d'une autre haine ? En fait, j'ai relevé une occurrence. Le devoir de haine est mentionné vis-à-vis de ceux qui haïssent Dieu. Dans le psaume 139:21, on trouve « L'Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ?» Alors, il faut traduire ça un petit peu plus loin, parce que si Dieu est amour, s'il y a un devoir de haine, eh bien, c'est celui de haïr la haine, de haïr les forces de haine, de rejeter les forces de haine de toutes ces forces d'amour. Autrement, la haine ne relève pas d'un devoir, mais d'un fait, et en général d'une souffrance qui semble insurmontable, ou alors d'une jalousie qui semble inguérissable, d'une impuissance à vivre. Et la haine de l'ennemi réel, qui nous a fait tant souffrir, ou de l'ennemi supposé, quand il est le fruit de nos fantasmes, devient finalement haine de soi. Alors comment en sortir ? Comment écouter Jésus ? Comment aimer cette figure ennemie qui est devant nous ou même en nous-mêmes ? Mais alors que signifie aimer ? J'en pose les questions. Que signifie aimer ? Non pas dans l'idéal ou le rêve mystique d'une paix universelle, mais ici et maintenant, dans la réalité. Eh bien, frères et sœurs, il m'a été donné de rencontrer dans ma vie des personnes qui avaient traversé de terribles épreuves avec toutes les bonnes raisons de considérer en ennemis ceux qui leur avaient infligé ces épreuves. Et parmi ces personnes, nombreuses ont été celles qui m'ont dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir pardonner. Mais elles m'ont dit en même temps ne vouloir en aucun cas se venger. Ces personnes m'ont dit ne vouloir en aucun cas souhaiter le moindre mal à leurs offenseurs. Eh bien, frères et sœurs, dans certains cas, l'abstention de la haine m'est apparue comme une manifestation secrète, pudique et extrêmement profonde de l'amour. Ne pas haïr. Qu'il me soit aujourd'hui permis de saluer et de rendre hommage au pasteur Jean-Michel Perrault, que beaucoup d'entre vous ont connu et connaissent encore, parce que il y a cela bien longtemps, à un synode régional, il avait prêché sur ce thème. Je ne sais plus si c'était par rapport au sermon sur la montagne, mais ce n'est pas grave, c'était sur l'amour et la haine. Et je n'ai jamais oublié l'enseignement qu'il a donné ce jour-là, en disant, en gros, finalement, que très souvent, dans les églises chrétiennes, on parlait d'amour, 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 mais on oubliait finalement de parler de la haine. Et il me disait, et je sais, c'était ce qui restait de fort dans sa prédication, surtout ne pas haïr. Aimer, oui, aimer peut-être, aimer quand on pourra, mais aujourd'hui, là, maintenant, ne pas haïr. Ne pas haïr, ne pas semer les germes de la haine, ne pas semer les ragots, les paroles, etc., qui s'immiscent dans l'oreille et dans le cœur de ceux qui sont autour de nous et qui distillent de la haine, ne pas haïr. Merci Jean-Michel, je n'ai jamais oublié cette prédication.
Alors une autre manifestation de la non-haine, y compris de l'ennemi, est celle à laquelle Jésus nous invite, la prière. Remettre à Dieu nos ennemis comme nos amis, ceux que nous aimons comme ceux que nous n'aimons pas, car tous sont ses enfants. Il fait pleuvoir sur les uns comme sur les autres, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et Jésus lui-même a imploré sur la croix le pardon pour ses persécuteurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il reste quand même, dans l'éthique quotidienne, une chose à découvrir, c'est d'agir en faveur de son ennemi pour s'en rapprocher, pour découvrir qu'il n'est pas un monstre, mais un être humain comme nous, et peut-être d'en faire finalement un ami. En tout cas, c'est un des commandements aussi très importants dans la tradition juive, apaiser l'autre pour peut-être un jour s'en faire un ami. Et finalement, c'est ce fameux Ancien Testament qui nous y invite, parce que dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, il y a ceci. « Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre, aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. » Merci, hein. Merci à l'âne et au bœuf qui deviennent des artisans de la paix entre les hommes. Agir pour l'autre nous conduit à le voir autrement. Et je voudrais encore une fois prononcer un petit hommage vis-à-vis d'une sœur, d'une religieuse catholique que j'ai rencontrée à Jérusalem et qui est rwandaise et qui un soir avait donné un témoignage plutôt de ce qu'elle avait vécu au Rwanda. Elle est Tutsi. Elle avait perdu une grande partie de sa famille. Et après la guerre, elle a été amenée à devenir, un peu de manière informelle, visiteuse de prison. Et donc à se retrouver face à ceux qui avaient été les bourreaux de sa propre famille. Et ce que j'avais beaucoup apprécié chez cette religieuse, c'est qu'elle disait ne pas vraiment pouvoir parler du pardon. Elle disait que c'était un trop gros mot, un trop grand mot. Elle était extrêmement pudique par rapport à cela, par rapport au pardon, par rapport à l'amour. Mais ce dont elle témoignait, c'est qu'en visitant les prisonniers, Hutus, en les visitant, en leur parlant, en les soignant, en faisant quelque chose pour eux, elle avait vu fondre totalement la haine. Elle avait reconnu le visage de l'humain dans l'autre. Et c'est peut-être cela, finalement, que Jésus attend de nous, que nous reconnaissions toujours l'humain dans le visage de l'autre. Amen.